Bonjour à tous et bienvenue à cette deuxième partie du chapitre 7. Et je m'en allais ouvrir la porte spéciale, mais il y a un monstre qui est revenu, que j'avais déjà scellé il y a fort longtemps. Et finalement, c'est la deuxième fois que je vais affronter le banni. Sauf que là, cette fois-ci, Ergo a fait une machine! Donc le grand Ergo nous a fait une super arme, la méga tapulte. Donc, j'imagine que c'est une catapulte qui lance des bombes. Donc, ça devrait nous aider à battre le banni. Ah bon, hein, il est pas fini. Bon, ben, on va aller voir en bas ce qui se passe. Le saut que j'ai fait, visiblement, était pas très efficace. Le banni! Ronde 2. Bon, donc... Ça rappelle, le but c'est d'aller sur sa tête, renfoncer le seau sur sa tête. Et là, la différence de la première fois, il y a des bras. Donc finalement, si je peux faire avec ses bras, ben c'est monter. Aussi, il marche plus vite que la première fois. Donc c'est un peu plus dur. Il y a aussi ça là, les affaires électriques. Et voilà, il est en train d'escalader. Hein? Mais je pense qu'il est lent. Donc, il doit être correct. Ben oui, arrête de dire qu'il est presque prêt puis travaille dessus. Ah non, ok, c'est bon. Donc, on peut utiliser la machine d'Ergo. Ça va l'assommer, donc on va pouvoir le tuer assez rapidement. Hein, dans la bouche! Ah oui, c'est vrai qu'il y a tout que de la puissance. Mais on veut pas l'utiliser tout le temps, faut qu'il recharge. Mais on a tout notre temps après l'avoir attaqué avec la bombe. Pas tant que ça. Mais bon. On peut aller renfoncer le seau. Trois fois.
Ah, bon, Ergo, il est prêt. Boum! Sauf que là... Bon, j'avoue que je suis un peu loin. J'ai marché trop vite, donc moi, je vais essayer une tactique. On va atterrir sur la tête. Mais il va se remettre en mouvement. Effectivement. Il marche vite en plus. Non, allez! Ah, merde! Ok. Donc, il faut se dépêcher quand le banni fait ça. Il peut savoir qu'on est sur sa tête. Ah! Ah, je l'ai eu! Ok. Ah, c'est joliment. Okay. Ok, donc je vais ressauter sur sa tête. On va réessayer. C'est raté! Bon, on va arrêter les tactiques. Ça marche pas. Au moins, quand il coupe toutes les orteils d'un pied, il est plus lent. Ça sert à rien, je l'ai... Il est descendu à terre. Et là, il se met à ramper! Là, je vais essayer une tactique. Cliquez bien ça. On va atterrir sur sa tête. Pendant qu'il rentre. Je sens que ça va manquer. C'est une impression. Hey boy! Non, ne touchez pas au gros monstre lorsqu'il est rouge. Donc, quoi attendre? Comme on dit, patience et mal de vertu. Visiblement, je veux absolument atterrir sur sa tête. Parce que c'est plus cool. J'ai pas d'autre raison. Non! Oh. Bon. Je l'ai sonné. Voilà. Oh my god! Bon, il est encore loin du sommet, là. C'est vraiment dur pour vrai de manquer ce boss-là. Oh mon dieu. Bon, faut se dépêcher. Ergo est prêt! Tiens! Et voilà.
Envoie Link. Let's go away! Ah non, c'est pas vrai. Non! Il a sauté en bas! Pourquoi? Non! Bon, donc j'ai sauté en bas pendant la cinématique. Ah non, non, ok. Et c'est réussi! Le banni est vaincu! Pour la deuxième fois. Là, il est temps de receler le banni une fois pour toutes. Mais pour vrai, la grand-mère a dit vite là, mais probablement sûr qu'on pourrait attendre à l'infini. Là, ce sera le signe. Je sais pas, du sablier en diagonale. Ha! Bon, c'est vrai que sans lui, j'aurais peut-être perdu. Mais bon. On va aller activer la porte du temps. Là, là, il est temps de faire le jeu pour de vrai. On va arrêter de se battre avec le banni. Oh, un bon chemin emprunté ici. Très près de la porte. Ah ouais, rentre! Ouch. Donc Ergo est un grand sensible. Bon, mais il va toujours revenir, hein? C'est... Je sais pas pourquoi on le scelle, mais il va revenir. Son essence. Comment on fait pour enlever de l'essence? On brûle. C'est pas drôle, jeu de mots de merde. Maintenant, Ergo qui me dit comment faire les choses. Là, il est temps d'ouvrir la porte du temps. Maintenant qu'on a la Master Sword.
C'est une partie de Tetris! Mon Dieu, on va retrouver Zelda! Dans le passé! Donc, on va finalement la retrouver. Et en passant, cette porte-là, et la raison pourquoi Zelda va être là, c'est parce qu'elle a pris la porte du temps à la raffinerie de l'Anel avec Impa. Ils ont pris, mais ils ont détruit la porte, donc j'ai pas pu les suivre. Mais là, je vais pouvoir les rejoindre. Et ergo, le grand héros restera derrière! Bonne chance, ergo! Voilà, nous entrons dans la porte du temps vers le passé, voir Zelda. Et on est à la même place, Temple du Sceau. Dans le passé. Dans le temple d'Ilia. Ici, il y a Impa. Et un point de sauvegarde. Mais moi, je voudrais voir ça a l'air de quoi dehors. On veut pas sortir. Ici. On ne peut pas sortir du temple d'Ilia. Bon, au moins, il y a Impa. Un tabouret. Pour aller reprendre la vie. Mais, ça m'a épuisé ce voyage dans le temps, donc... prendre une pause. Sauvegarder également. Tu sais jamais ce qui peut se passer dans le passé. Mais bon, on va parler à Impa, là, c'est une niaisage. Hey!
Donc, on est effectivement dans le passé. Donc, on vient d'emprisonner l'avatar du néant. Et donc, Célestbourg vient d'ici. Donc, à l'extérieur, j'imagine que la ville s'est élevée, hein? Donc, Célestbourg était sur Terre avant. Mais bon. Ça. Voilà la porte dans le fond. Et donc, Zelda se trouverait derrière cette porte!
bien sûr que je vais la réveiller, bien sûr. Bon, donc, Zelda s'est endormie, paresseuse. Et donc, on va la réveiller en battant l'avatar du néant. Donc, va falloir trouver la Triforce. Et quand on va détruire l'avatar du néant, on va sauver Zelda. Donc, ça, c'est notre nouvelle mission, trouver la Triforce. Et en plus, notre épée maître est rendue la meilleure. Elle peut pas être meilleure que ça. Alors, Zelda est là. Depuis tout le temps. On la cherchait, puis elle était là. Ouais, donc la Triforce est à Célestebourg, va falloir trouver ça. Et on sait pas comment. Bon, c'est bon. Donc, il va falloir aller à Célestebourg. T'as envie, t'as envie. Donc, il décide de ne pas retourner à Célestebourg. Bon, comme j'ai déjà dit, il peut pas y retourner de toute façon. Il y a aucune façon d'y retourner. Moi, je peux parce que je suis l'élu de la déesse. Lui, il peut vraiment pas. Donc, c'est triste d'une certaine façon. Alors lui, il s'est inventé l'excuse qu'il faut s'occuper de la mémé. On plantait une pousse. Bon, on va se rappeler de tout ça, hein. On peut planter un arbre ici. La truche. Non, ouais, c'est pas qu'il y en a un qui a volé ta chambre. C'est pas grave. Bon, et pour ceux qui l'avaient pas compris, hein, la mémé, c'est Impa. Et oui. Et oui. La mémé.
C'est il me parle. Ah, ici, il y a des papillons. Mais il y a rien. Les papillons vont rien. Ah, en tout cas. Ah. Combat! Là, mon épée maître est plus forte que ma Master Sword. Un crâne décoratif. Mais ouais. Donc, dans le prochain épisode, on va aller à Célestbourg pour trouver la Triforce, ou des indices au moins. Alors, à la prochaine fois!